Pops at School. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma night routine. Veille de rentrée, c'est une de mes vidéos préférées que je préfère faire tous les ans parce que je sais pas, j'aime bien voir mon évolution au fil des années. Et je trouve ça marrant de voir à quel point ma vie change. J'espère en tout cas que la série Back to School vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Insta si ça vous plaît. Et on va commencer. Just going home, have a late, late show. Je commence toujours ma routine avec un Starbucks, que ce soit le matin ou le soir, enfin à l'heure du goûter. Et donc là, je taffais sur une vidéo, voilà, je chillais dans mon lit en travaillant. Et ensuite, je me suis habillée parce que souvent, quand je reste chez moi l'après-midi, je suis juste en outfit chill, on va dire. Et donc, en haut, je portais juste mon jean large, noir, ma ceinture Gucci et un petit haut. Je me suis dit que j'allais ranger un peu, j'essayais de faire des efforts maintenant que je ne vis plus seule. Et donc nous avons un lave-vaisselle, ce qui est hyper satisfaisant, donc je le remplissais. Bon, alors là on avait des potes qui allaient venir et je pense que ça va être ça un petit peu toute l'année, donc il fallait que je range un petit peu, mais il y avait encore nos valises qui étaient là et tout, de Paris, donc voilà. Après, j'ai fait semblant de ranger la valise, mais vous me connaissez et vous-même, vous savez que j'ai des soucis avec le rangement. Et après, j'ai fait un truc encore plus improbable pour moi, j'ai aspiré. Je sais même pas quoi dire, je m'impressionne moi-même, j'espère que ça continuera. Et je vous jure que je le fais, c'est même pas pour ma routine. J'ai continué à ranger et ensuite j'ai appelé Noémie et donc je vous laisse avec un petit extrait de nos discussions. Genre vraiment, j'ai envoyé au moins 150 messages, tu vois. À un moment j'avais un appart que je devais visiter depuis 3 semaines et tout, et donc je prends les billets pour rentrer. Bon, après que mes potes soient partis, j'ai pris une petite douche normale car je suis une personne propre et j'utilise les produits que j'ai actuellement qui sont les produits Garnier. Et ensuite, j'ai une petite surprise pour vous. Pour se détendre la veille de notre rentrée, nous allons faire un petit masque. Et aucun de nous deux n'a jamais fait un masque comme ça. Masque en tissu pour le nettoyage en profondeur. Ne pas utiliser sur une peau irritée, abîmée, oh, enflammée, merde. Exfoliée ou brûlée. Foliée, pas exfoliée. Attends, mais je veux faire une photo. Quoi? Ah, c'est tout visqueux à l'intérieur. Ah, tu ressembles à un renard, tu ressembles vraiment à un renard. J'espère que moi j'ai... Ah, ça... Ah, c'est tout visqueux. Attends, je crois qu'on peut le montrer. Visqueux... Ouais, là, il faut n'arrive pas. T'es censé être sexy, ouais. C'est... Je sais pas comment ils sont, ton concombre, mais ma feuille de je sais pas quoi, là, ils sont pas super bons. L'emballage de ces masques est beaucoup plus joli que le masque en même. Toi, tu fais peur, tu sais qu'en plus, c'est même pas collé à ton visage, ça sert à rien, genre. Ah, il fait ça. Non, 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 mais je mange pas ça, moi. Je me sens vraiment pas tellement différent d'avant, à vrai dire. Non, mais toi, tu t'attendais à un truc de malade. Ensuite, si on sort pas trop tard, très très souvent, on regarde une série ou un film. Et donc là, ce soir-là, on avait regardé le film sur Yves Saint Laurent. Et il était vraiment pas mal avec Pierre Niney, donc je vous le conseille beaucoup. Et ensuite, bah, on a dodo. Alors évidemment, c'était pas ma routine de la veille de la rentrée parce que je la fais un petit peu en avance. Sinon, j'aurais pas le temps, je serais trop stressée par le montage. Mais c'est vraiment ce que je vais faire... je pense la veille de ma rentrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour votre night routine. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram. Et bye, Yamif.